Et de retour, les amis, pour ce troisième épisode de notre analyse, tout simplement, de la conférence Sony. Donc, ouais. Pourquoi je dis on se retrouve? Parce que, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le même t-shirt. Tout simplement parce que je suis un petit peu plus tard dans la journée pour des soucis, pour des problèmes de raison technique. Donc, ce qui fait que comme je suis le soir, je n'ai pas le même éclairage qu'en journée. Donc, il est possible qu'à certains moments, il y ait des grésillements verts environ d'ici. Bon, c'est pas impactant en soi, mais voilà. Pardon. Ah, putain. Et donc, on s'était laissé sur... Si je fais partir l'écran, ça va pas le faire. On s'était laissé sur Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo qui était... Pas un jeu d'horreur, parce que c'est pas comme ça que je vois un jeu d'horreur. Plutôt un jeu un petit peu semi-horreur, fantastique, parce que on affronte des créatures du folklore japonais. Mais on a quand même des pouvoirs. Par contre, pouvoir faire ça dans la ville de Tokyo, c'est vraiment exceptionnel. Donc là, il nous manquait 4, 40 minutes, si je ne me trompe pas. 45, 55, 5, 15. Ouais, 40 minutes. 40 minutes de bande-annonce à voir, les amis. Et on va le faire de suite. On va le faire de suite. Donc, ouais, voilà. S'il y a quelques fois quelques trucs qui apparaissent là, c'est simplement le manque de luminosité. Bon, je vais pas vous faire une partie avec la caméra et une partie sans. Ok. Brothers. Ah, c'est le nom du studio. Construisez un futur pour des personnes qui sont hantées par Oblivion. Opel, c'est quelque chose, par des rêves. À partir d'un moment, je peux monter. D'accord. C'est très spécial comme jeu. J'ai déjà un petit peu un jeu à la No Man's Sky. Légèrement spécial avec ce qui s'est avec ce qu'ils ont montré juste avant. En tout cas, ça fait une deuxième annonce qui me hype pas trop. Faut quasiment dire que c'est sans faute. Hein. Pour l'instant, hein, il manque quand même 40 minutes. Ne nous affolons pas. Gearbox. Counterplay. J'aurais pris une God of War. Même pas si c'est God of War. Me down. So give me the crown.
détruit l'armure. Devenez incroyable. Godfall. Ah oui, Godfall. Ils ont montré en plus une pas une teaser mais un genre de petit gameplay. La première fois qu'ils ont montré un petit peu à quoi allait ressembler la PS5. Alors, quel prochain jeu? En tout cas, Godfall, ça mitigé, mais... Oh, un Annapurna encore. Earth Machine. Hyper Light Drifter. Lui, je l'ai comme jeu. Je l'ai encore fait. C'est un peu dans le même style. Le vide m'appelle. Ok. En tout cas, c'est un personnage qui semble être féminin. Alors, quel type de personnage je pense strictement bien. Solar H. Peut-être que cette image veut dire qu'on peut jouer avec la graphique. 2021, d'accord. Petite porte d'annonce tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, ils ont changé, c'est plus bleu, c'est blanc. Sachez ce que c'est, j'ai même pas besoin de voir. Sans rien, ouais, exactement. Hitman. It was always gonna end like this. All your hard work, all your sacrifice, only sped up the process. On m'a dit c'est bien. Abrak here from IO Interactive. IO Interactive, okay. In Hitman 3, Agent 47 is back for his most intimate and professional contract in his entire career. This is also the dramatic conclusion for the World of Assassination trilogy. Okay. I'm so proud to be here to present a little glimpse of the gameplay where Agent 47 is on top of the world in Dubai. Enjoy. Donc d'une gameplay où il est à Dubaï. Ça prend. Encore une fois, et je le répète. Ah ouais, on sent bien la pollution. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est vraiment de la filtration haut de gamme. D'accord, ok. Ok, ok. Je croyais que c'était du gameplay, moi. Bah,
verra du gameplay plus tard. Press the button on your controller. Peut-être une petite blague. Hein. J'imagine que c'est des gens qui l'ont vraiment fait. Oh. Ah, c'est Verbox ça. Il semblait que c'était les genres de robots que t'as dans en VR sur place. Ah, qu'est-ce que c'est ? NeoStream présente. L'opposition. Little Devil Inside. Ok. J'attends d'en voir plus avant de donner un avis. Même si ce genre de graphisme est très sympa. What's up everyone? I'm Zion Williamson of the New Orleans Pelicans. Here we go. The first ever teaser for NBA 2K21. Basket. Y'all are not ready for this. J'ai joué qu'à un jeu de basket dans ma vie, c'était sur PS2. J'ai jamais été grand fan de basket, même si j'en ai fait pendant quelques mois quand j'étais jeune. J'ai arrêté parce que j'aimais pas le fait qu'on joue pas. I ain't trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. D'accord, il a décroché le basket. Fraise, c'est bon les fraises.
Une petite phrase qui marche. Amazing. Aren't they? Half bug, half snack. A very recently discovered species, entirely unique to this island. Oh, this one's lively. Beautiful seed patterns. Mm. Oh, and it's tasty too. Welcome to the island of bug snacks. Les créatures donc de la porte, Young Gorsi. My invitation is open. Come join me on the island of Bugs. Liz! Hi. I was trying to carry a lamp with my weenie hands, but I dropped it, and now the town's on fire. Oh, again? Bugs Snacks. Bugs Snacks. D'accord. Un jour, apparemment, on peut avoir ou créer des créatures personnalisées. Cool, vu comme ça, c'est rare les jeux de ce genre. Vacances 2020, été 2020, ok. Hi everyone, thank you for being with us today for this very special event. But before we get to the end of the show, I have something very near and dear to me. Un peu Castlevania ou comment ça s'appelle, Dark Souls. Je dirais Dark Souls. C'est wow. L'introduction de World of Warcraft avec pour l'extension Cataclysm. Ah, les copieurs. Est-ce que ça va faire partie de la saga des Dark Souls? Honnêtement, je préfère ne pas dire de bêtises. Peut-être que ça en fait déjà partie. Je préfère pas. Deathloop is a next-gen first-person shooter about rival assassins locked in a time loop. This is our unique vision, what Arkane is all about. Freeform immersive gameplay, a surreal player-driven story smashed together. Want to see some stylish action? Check this out. Ça va. Ça va, ça va. Let's go.
Afficher le gameplay, les boys. Hello, Black Reef. Colt, my predecessor, has been pronounced guilty of treason. He is to be shot on sight henceforth in perpetuity. Your assistance is appreciated and is mandatory. The real party doesn't start until he's dead. She is not making this easy. Forever drunk. Another day, another death. Aren't time loops fun? For everyone else on this island, this place is paradise. A never-ending party where hunting me is the main attraction. And no matter how I try to escape, they always cut me down. But I'm one stubborn motherfucker. Every loop, I'm learning a little more, piecing together the puzzle. There's 8 targets, and they all gotta die before midnight. There's just one little snag. You thought it was going to be easy? Juliana Blake, Black Reef's protector, and a real pain in my ass. She may kill me a million times, but eventually, inevitably, I will break this fucking loop. Watching you die. I like killing you. There's a difference. Ça, ça m'a l'air très sympa, très musclé comme jeu. Très très musclé, surtout le fait d'être dans une boucle temporelle, c'est un petit peu révolutionnaire. Genre, je connais pas de jeu qui l'a déjà fait. Très sympa, très sympa.